Salut à tous, une vidéo qui va concerner une distribution dont Baba Oran m'avait parlé à sa sortie. J'ai bien sûr envie de vous dire, c'est bien sûr la Manjaro LXQT sortie par Grand Maître E. Voilà, comme je ne dirai pas son pseudo en entier, vous direz bien, vous doutez un peu pourquoi. Donc j'ai voulu tester la distro de Grand Maître E 3 semaines après sa sortie, parce qu'elle est sortie le 25 mai 2016, on est 18 juin, donc en gros ça fait 3 semaines. La critique qu'on me fait souvent, c'est pourquoi tu ne proposes aucune ISO Linux. Ma réponse est simple, elle est dans la gazette de DistroWatch. Je vais vous mettre ça en plus gros. Si j'aime bien le focus aussi, ça ira mieux. Voilà. Il y a eu 817 distributions répertoriées depuis 13 ans. 13 ans, 817 distributions répertoriées. On va faire quelques calculs rapides. Si vous entendez un boum boum boum, c'est mes comptes voisins et leur techno de merde. Voilà. Ça c'est dit. Calculatrice, elle est où? On a mis la calculatrice. Tiens. Bon, eh bien, je vais la réinstaller. J'ai oublié de la réinstaller après la mise à jour vers maté 1.15. Oups. Ouais, aléa du direct, n'est-ce pas? Allez, avance. Voilà, donc ça. Je croyais avoir installé après la mise à jour de maté 1.15, mais non. Donc ça c'est fait. Donc nous avons dit, il y a eu 817 distributions en 13 ans. Indexé. Ce qui fait 62 par an, donc une par semaine. Il y en a actuellement, que je ne sais pas de bêtises, 216 sur la liste d'évaluation, enfin sur la liste d'attente. Donc si on prend le total, ça fait 817 plus 216, ça part à 1033 distributions, dont 144 qui sont encore en attente d'évaluation. Donc si toutes celles qui étaient en attente d'évaluation étaient acceptées, 817 plus 144, ça ferait 961 distributions. Sachant qu'il en reste 275 vivantes, donc 817 sur 275, c'est plutôt l'inverse. Enfin, il y a presque 3 fois plus de morts que du. Enfin, ça fait en gros un tiers. C'est pas 817. Voilà, ça fait en gros un tiers de survivantes. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je ne propose pas d'ISO. Donc, comme je vous disais, je vais parler de la Manjaro LXQT. Donc, voilà. Je vais aller dans le répertoire téléchargement ISO à tester. Donc, j'utilise quelques raccourcis clavier. QEC, QEC c'est pour QEMU Image Create, et KVM64 c'est pour ma ligne d'émulation. Je n'utilise pas VirtualBox parce qu'il a tendance à être encore un peu plantogène. L'enfoiré. Mais sur tout ce dont je vous parle, ça sera en lien dans le descriptif. Comme ça, si vous cherchez les liens, pas peine de vous prendre la tête. Donc, voilà, donc vous avez ici la ligne KVM64 que je vais utiliser, et là la ligne QEC qui permet de créer une image ISO, une image disque. Et là vous voyez, il y a la Manjaro LXQT Community 1605. Donc je crée l'image disque. Là juste voir si elle se lance bien. Pour faire un petit bilan rapide, quand je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, hein. Je vais faire une vidéo rapide. En installant depuis le départ. Juste pour voir si c'est encore utilisable 3 semaines après sa sortie. Donc là, tac. Ah, je déteste la techno. Est-ce que vous croyez que mettant du death metal à fond, ça les calmera, ces connards? Bon, bref, ne soyons pas méchants. Heureux les faibles en esprit, comme disait un certain rabbin, disait heureux les faibles en esprit parce que le royaume des cieux leur est ouvert. Voilà. C'est pas le serment sur la montagne. Bon, je vérifie. Bref. Donc là, on va
Donc je reviens à la distribution après des bêtises de, à cause de mes voisins. Bon royaume pour un nouveau voisin d'ailleurs. Il y avait un petit bug qui avait été dénoncé par Baba Orom, c'était au niveau des dépôts qui étaient mal configurés. Au lieu d'être en pour la signature prérequise pour installer des paquets sur les dépôts officiels, il n'y avait aucune vérification des signatures. Ce qui voulait dire, si un dépôt était corrompu, il n'y avait aucun moyen de savoir. Ennuyeux. Donc là, c'est ce problème-là. Voilà, parce que si on regarde bien, vérification des signatures, jamais. Si on regarde sur le pacman.conf du version Linux ou du Manjaro classique, on voit C-Level Required, requis, et database base de données optionnelle. Donc je récupérerai ces paramètres une fois la distribution installée. Donc là, je vais passer par Calamares. Donc il y a à peu près pour 5 minutes installé ensemble. Comme ça, je vais vous montrer tout depuis le départ. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était basé sur la 15.12 Capella. Voilà, modifier, on va passer là. Je prends toutes les options par défaut, je ne vais pas m'ennuyer. On va rester en par défaut. Pourquoi se prendre la tête, hein? Fredo Manja LXQT. Voilà, suivant. On est parti. Pendant que s'installe, on va savoir où en est la LXQT par rapport à son développement. Comme ça, ça permettra de peupler un peu la vidéo en attendant. Donc, je vais sur LXQT.org. Voilà. Et si on regarde la dernière annonce du LXQT, c'est la version 0.10 qui date de... Alors, le message de LXQT 0.10, ça doit dater à peu près de 6 mois facile. Ah oui, ça fait 7 mois. 7 mois et demi que la LXQT 0.10 est sortie. Donc, peut-être que le blog d'XDE est un peu plus actif. Le blog d'XQT, pardon. Ouais, ben, décembre, d'accord. Les publications. Novembre, février. Donc en gros, on est à peu près dans les temps. Parce qu'ils mettent à peu près 9 mois à proposer une nouvelle version. Sauf que entre LXQT 0.8 et 0.9, il s'était à peine déroulé 4 mois. Donc ils sont encore dans les temps. On va sur le GitHub en vitesse. Pour certains composants, pour voir. PCManFMQT, donc le gestionnaire de fichiers, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté au niveau de la vivacité du développement? Apparemment, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de nouveauté. Oui, c'est pas très vivace, hein, parce que si on regarde, il y a eu 4 modifications au mois de mai. Au mois d'avril, il y en a eu 3 ou 4. Mois de mars. Depuis le mois de février 2016, il n'y a pas eu grand chose. Hein. C'est la version 0.11, donc je vais voir si Grand Maître E a utilisé la version 0.11 dans sa Manjaro LXQT ou pas. Mais ça n'a pas l'air super et, au niveau du cœur de PCManFM. Il y a presque 3 mois sans un mode de mise à jour, hein. Enfin 2 mois et demi. Hein. Entre le 28 mars et le 15 juin, que dalle! Oula! Je me demande si XFCE et LXQT ne font pas la course de celui qui se développe le plus lentement. Donc je vais voir quelle est la version de PCManFM utilisée. C'est souvent une 0.10. Moi, c'est une version 0.10. Ouais, dommage. Ça, il n'y a pas à dire, le développement d'XQT est très rapide. Hein. Bon, peut-être aussi que les développeurs sont des étudiants ou des personnes qui ont une vie
professionnels tellement intenses que ça doit les ralentir pour leur pour le développement d'exécutifs. C'est quand même dommage parce que c'est un environnement qui a quand même un certain potentiel. Dommage. Bon, excusez-moi, je reviens. Désolé, une petite envie pressante à soulager. Voilà, il ne faut pas abuser de café après le repas de midi, c'est pas conseillé. Ah, c'est bon, le plus long est fait. Maintenant, les 50 derniers pourcents vont se faire en un claquement de doigts ou presque. Mais par contre, après, je réglerai le problème de la résolution qui est un peu énorme. Et aussi le problème du panneau supérieur qui nous engagera sans faire sauter les yeux. Ça, bien sûr, les coups et les douleurs, ça ne se discute pas, mais je préfère largement le panneau qui ne s'escamote pas automatiquement. Voilà, t'es gentil. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Tiens, il manque. Je vais juste m'apercevoir qu'il manquait l'affichage d'un CPU dans le moment d'otage. Bon, c'est un bug de Manjaro Qt. De Maté 1.15, c'est pas grave. On rajoute ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Juste m'en apercevoir. Allez. On redémarre. Donc là, normalement, ça devrait démarrer sans problème. Il faudra qu'on m'explique l'utilité d'un Plymouth, parce que vu le temps de chargement... Encore, quand ça mettait 2 minutes à charger, c'était normal qu'on ait un écran d'attente et compagnie. Maintenant, avec les machines, la machine qui a 6 ans d'âge, et l'ensemble se charge en quoi 15 secondes. Donc, sur les machines récentes, si ça se charge en on va dire, 5 secondes, 10 secondes cassées, c'est pas la peine d'avoir un Plymouth. Bon, allez. Bon, allez. Charge-toi, mon ami, charge-toi. Donc, première chose qu'on va faire, le plus simple, c'est débloquer l'escamotage de la barre de tâches en haut. Parce que c'est chiant.
et ça finit par être un peu lassant. Voilà. Ça, c'est fait. Deuxième chose, on va modifier le pacman.conf pour le sécuriser un brin. Je ne sais pas si c'était un bug de Manjaro Tools à l'époque, mais c'est quand même mieux d'avoir de la sécurité au niveau des dépôts officiels. Donc, on vire ça. 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 Et ça. Alors, ensuite, on met required. Ou bien obligatoire, enfin requis, database optional, qui sont les options plus conseillées, enfin les réglages conseillés pour avoir la paix. Donc là, on va passer par Octopi, mettre à jour le système. Ah oui, donc j'y pense aussi. Donc 77 paquets à mettre à jour. Donc il y a Firefox, numérique, il y a aussi BWord, non il n'y a pas BWord. GTK, oui, donc il n'y a pas grand chose. Hein. Apparemment il y a un nouveau noyau, mais il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Allez. Après je reviens dans Octopi pour voir l'utilisation des différents dépôts. Parce qu'il y a plusieurs dépôts tiers, donc là. Alors, centre de configuration de l'executive, paramètres moniteur, 1024, appliquer, ah, ça va mieux. Avancer, info, donc, on sauvegarde, oui, et on applique, voilà, et on ferme. Donc là, c'est assez rapide à mettre à jour. C'est quand même mieux quand les dépôts sont vérifiés, parce qu'il suffit qu'il y ait un dépôt corrompu, comme ce qui s'est passé à l'époque avec Linux Mint, qui avait un miroir corrompu pour se retrouver avec une version frelatée de l'ensemble. Et on ne sait jamais ce que peut y avoir comme niveau de frelaté dans les paquets corrompus. Les paquets 32 bits sont utilisés parce qu'il n'y en a que deux, donc il n'y a pas Steam, il n'y a pas peut-être qu'il y ait Steam finalement, mais on n'y est pas parce que sinon il y aurait des jeux. Je sais pourquoi les paquets 32 bits, ce sera un mystère décidément insoluble. Donc là, après qu'on va redémarrer, je vais voir si le tien s'obtient le choc et voir aussi si certains paquets de Manjaro Xcuti qui ont été développés, enfin, c'est un dépôt apparemment du grand maître E, ont été mis à jour ou pas. Surtout le Clementine Xcuti, alias Clementine Qt 5, qui quand même peut être, pas le principal, mais un des gros paquets de spécifiques de ce dépôt. C'est vrai aussi, il faudra peut-être aussi remplacer Synaptix par libinput, étant donné que Synaptix, comme vous pouvez le lire, est en mode survie, si on appelle ça comme ça. Enfin, mode support de dernier recours. Vous appelez ça comme ça? Ah oui, support étendu, voilà, c'est le terme employé gentiment par Microsoft. Pour pas dire qu'on en a plus rien à foutre et qu'on rouge que les derniers bugs de sécurité quand ils arrivent. Voilà, c'est la version polie de dire on n'a plus rien à foutre de ce paquet de logiciels, c'est un problème, c'est ton problème, on n'a rien à péter, voilà.
nous attendre un peu. Là, c'est la partie la plus longue. Est-ce qu'il a mis à jour le noyau? Je crois que oui. Non, il n'a pas encore mis à jour le noyau. Ah si, il va mettre à jour parce que... Ouais, il a mis à jour le noyau, voilà. Donc c'est bon, on a terminé ou pas encore? Ça c'est un peu ennuyeux, on ne sait pas si ça a terminé ou pas. Et j'ai pas envie d'arrêter d'interrompre la mise à jour pour voir que des bugs. De plus en plus, je tente ma chance, allez. Ah c'est bon, ouf! Heureusement, j'ai pas tenté ma chance. Ah, c'est bon, donc on va redémarrer l'ensemble pour voir ce que donne l'installation en redémarrer. Bon, apparemment ça va redémarrer, déjà c'est pas si mal que ça. Donc c'est voir aussi si le SB Release a été modifié ou pas. Parce qu'à l'origine c'était une 15.12, donc je vais voir si c'est passé en 16.06 ou pas. Ah, ça a été tarasse. Voilà, faute de frappe. Disque clavier 2002. Et là il y a ce putain de... de bug là qui commence à me casser les noix. Et bien sûr, il est encore en 1980. Je ne le veux pas en 1280, mes nouilles. Il est têtu. Apply. Yes. Save. Yes. Close. Je ne sais pas pourquoi ce réglage n'est pas enregistré. Donc, on va juste rajouter les paquets français pour... certains logiciels. Donc les paquets linguistiques, on va les installer. Comme ça, on aura l'ensemble en maximum francisé. Par un paquet qui a du LTDCNFR. Bon, je ne sais pas quels sont les. Bon, pourquoi il installe ça. Bon, mais faut pas chercher à comprendre. Hein. Voilà. Ça s'installe. C'est bon, terminé. Donc on va voir par rapport au dépôt. Donc voir ce qu'il y a dans mon dépôt Manjaro Executable qui est installé. Donc c'est simple, on va affichage dépôt Manjaro Executable. Aurora, bon mais c'est le thème. Voilà, Clémentine Executi, il a été compilé le 19 mai. Donc, on va voir sur le dépôt Git, parce que c'est Clémentine Executi 5 Git. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va voir s'il y a des modifications, et si oui, combien depuis la sortie de Executi 5, enfin de Clémentine Executi. Donc, bon, je ne vais pas mettre... alors, archlinux.org. Donc, Clémentine, Qt5 Git. Alors, blablabla. On va voir ce dépôt GitHub. Donc, on a dit que c'était le 19 mai. On va voir combien il y a de modifications depuis le 19 mai pour avoir une petite idée. Le nombre de modifications apportées, donc ça fait 5 jours, donc depuis le 12 ou 13 juin qu'il y a des modifications. 13 juin, donc traduction, ça sera un bug corrigé, donc il y a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En gros, il y a presque une vingtaine de modifications qui ont été apportées. Bon, c'est souvent des traductions, c'est des petites corrections de bugs, mais ça n'aurait peut-être pas été trop mal de dire bon, mais je le recompile pour savoir quels ont été les bugs correctifs apportés. Enfin, c'est quand même, ça aurait été quand même mieux parce qu'on propose une version basée sur Git. Parce que si on regarde dans Octopi les conflits qu'il y a, un conflit avec Qt5 Git et Clementine Git. Moi, je m'excuse, c'est un paquet Git qui ne porte pas son nom, donc automatiquement, ce serait bien de, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de dire bon, mais je recompile le paquet pour voir si ça fonctionne, pour, parce qu'il y a des modifications de code source, c'est bien pour l'utilisateur et compagnie. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Comme ton Git, SQT. Ouais, bon, on peut ça. ILOC, ouais, bon. Libconest, ça c'est pour l'SQT aussi. Karma XQT, SMPlayer XQT, bon ben. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à rajouter, quoi. L'ensemble est bien, mais c'est quand même dommage, c'est que Grand Maître E n'ait pas décidé de mettre à jour XQT, ne serait-ce qu'une fois. Donc est-ce qu'il va laisser tomber l'ISO comme une vieille chaussette pourrie et dire bon mais c'est pas bien grave, j'en propose une autre. Ça serait quand même dommage parce que ça serait contre le principe même de la rolling qui veut qu'on installe une fois. Une seule fois et puis après qu'on met un jour régulièrement quoi. Bon bien sûr c'est bien d'avoir des ISO de temps en temps quand on est obligé de qu'on change de machine, qu'on change de disque de compagnie, c'est mieux de partir sur une ISO plus récente. Mais ce serait bien quand même de ne pas donner l'impression de dire bon mais je prends une ISO et puis pas bien grave si un mois plus tard elle est pourrie quoi. C'est ça qui est dommage, ça donne une mauvaise impression, c'est pas bien quoi. Si on propose une ISO, autant qu'on la. Surtout pour la rolling, c'est qu'il faut la maintenir un minimum en vie. Faire une ISO de rolling tous les 3-4 mois, pourquoi pas ? Mais une par mois, je vois pas franchement l'intérêt. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai rien d'autre à rajouter, mais ça fonctionne, quoi. Il faut juste espérer que Grand Maître E ne va pas la laisser tomber comme une vieille chaussette puante. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye !